Salut tout le monde, c'est Ness et on se retrouve aujourd'hui pour un challenge super spécial parce que c'est un challenge en duo avec moi. Yes. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne. Du coup, on se retrouve pour le challenge de jouer aux Sims les yeux bandés, plus particulièrement de faire une construction en 10 minutes avec les yeux bandés, parce qu'on est des fous. Ça va mal se passer. Totalement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que sur ma chaîne, ce sera moi qui aurai les yeux bandés et Niska qui va me dire ce que je dois faire, et sur sa chaîne, ce sera l'inverse. Du coup, voilà, sa chaîne sera dans la description pour les curieux. Et puis, moi je pense qu'on va commencer. J'ai trop peur, je me sens pas bien. Attends, je vais mettre le chrono. Attends, ma souris, attends, je trouve pas ma souris, je viens de mettre le bandage. J'en étais sûre. Attention, t'es prête? Ouais. 3, 2, 1, chrono. Alors, tu vas descendre tout droit. Top. Tu vas sur ta gauche. Je remonte ta souris, je la vois presque plus. Ah. Voilà, stop. Tu vas un petit peu bouger. Où? Sur ta gauche. Ouais, ta gauche. Encore. Un tout petit peu encore. Non, un petit peu sur ta droite. J'essaye de te faire le point des murs. Okay. Ah, mais attends, si j'appuie sur B. Attends. Il faut que je vois. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as rebougé? Attends, dis-moi, est-ce que j'ai l'outil, j'ai l'outil de création du mur? C'est bon, ok, ouais, j'ai appuyé sur la touche B à l'aveugle. D'accord, alors attends, là t'es parti trop loin. Reviens sur ta droite, prends un grand mouvement large sur ta droite parce que là t'es parti sur un autre terrain, voilà. Reviens un tout petit peu, ouais, comme ça. Et en fait, les murs sont 6, de 6, 6, 6 et 6. Faut que tu fasses un truc qui fasse 6 fois... 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? Je crois, je suis pas sûre. J'ai peur que t'en aies fait un de plus, mais au pire, tant pis. C'est bon. Oui. On a une pièce. Ok. Ça donne bien, je te fais une prévisualisation. Autant ça fait n'importe quoi, là. C'est bon, non, là? Ça va, franchement, t'es bien. Ok. On va partir peut-être sur les fenêtres. Dis-moi, alors attends, tu me dis où elle est ma souris là? Là, t'es en train d'essayer de choisir des murs. Ah, je vais où? Faut que tu partes sur ta gauche. Ouais. Un tout petit. Rebouge un tout petit peu. Vers le haut, vers où? Vers la gauche encore. Oui! Clique dessus! Ok! Alors maintenant, il va falloir que je me souvienne des fenêtres que j'ai prises. Alors, il va falloir qu'en fait, tu déplaces ton curseur. Enfin, tu ailles sur la troisième rangée de fenêtres à peu près. Mais oui, mais je sais pas ce que c'est, moi. Alors, ouais, départ. C'est ça, encore. C'est bon, bouge plus. Je vois la fenêtre que j'ai envie de te montrer. J'ai envie de te la droite, montrer. Droite, gauche. Alors, en fait, là, tu vas partir un tout petit peu sur ta droite. Encore. Encore. C'est bon, clique sur celle-là. Ok, c'est bon? Ouais, alors maintenant, reviens un petit peu vers toi en fait. Ouais. Repars un petit peu vers l'arrière. C'est bon. Ah. Attends, stop! Ok! Je peux clic. C'est bon, on a la première fenêtre, il faut qu'on en mette deux autres. Ok, dis-moi. Tu restes sur là où t'es et tu vas juste un petit peu tout droit vers l'arrière. Attends, tout droit vers la... Non, l'autre côté de l'arrière, l'autre arrière. Ah. Non, reclique sur le côté. En fait, je me suis plantée, c'est l'autre côté que tu dois le mettre. Je fais quoi? Supprime ta fenêtre. Mais comment je fais? Je sais pas. Attends, je cherche le contrôle. Je cherche le contrôle Z. Et là, tu restes sur la première ligne de tes portes. Ouais, mais attends, ouais. Je sais pas où elle est la première ligne, moi. Attends, je vois plus ta souris. Ah. C'est bon. Juste mets-toi sur la gauche. Stop. C'est ça. Alors, oui, parce qu'en fait, j'ai été un peu chiante. J'ai pris différentes couleurs de portes. Je t'avais pas dit. Oh putain. Du coup, faut que tu cliques. Dis-moi. Enfin, tu bouges un tout petit peu ta souris. À gauche? Sur la gauche, ouais, pour choisir les couleurs. Clique. Voilà, c'est bon. Et là, il va falloir que tu remontes ta souris. Attends, c'est quelle couleur? Laquelle de couleur? Parce que si j'appuie sur le plus du clavier numérique, ça marche, hein. La deuxième. Bah alors attends. J'ai la porte là? Ouais, t'as la porte. Je la mets où? Oh!
Reviens en... Pousse-la vers le fond. Ouais, encore. Stop! C'est bon. C'est bon la bonne là? Ouais. C'est la bonne couleur? Non. Et Non. là? Non? Non? Attends. Ça change Non, la... t'es parti encore. Vas-y. 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 Stop! C'est bon, c'est celle-là. Ok. Wouh! Yes! Ensuite. Yes! Donc, reviens. Enfin. Fais comme si t'allais repartir pour changer ta porte. Tu sais, changer de modèle. Bouge ton petit curseur vers le bas. Voilà. Encore, encore. Stop. Oh putain, t'es parti. C'est bon? T'es parti sur le côté, je vois plus la maison. Attends. C'est bon? À peu près. Ah! Attends, rezoom. Ouais. Encore. Stop. Voilà. Impossible en 10 minutes. La règle de 10 minutes et puis on fera des cuts au montage. Oh bah non, mais la façon, on n'a pas le choix. Attends, il reste combien de temps? Il reste 2 minutes. Stop. Descends. Clique. Ah. Ah bah, on va passer au sol, du coup. On va passer au sol, c'est pas grave. C'est bon. Ok. Putain, j'arrive à faire le clavier à l'aveugle aussi, hein. C'est Ah beau. mais moi, je connais pas les raccourcis clavier. Ah ouais? C'est shift. Non. C'est shift, ok. Ah si, je le fais peut-être, mais tellement automatiquement que je sais pas, en fait. Putain, ça doit être dur d'être aveugle et de jouer aux Sims. Bah, je pense qu'il joue pas aux Sims, Mais surtout. je sais, c'était une blague de merde. Remonte un tout petit peu. Non! Redescends. Tout petit peu, tout petit peu. Encore, juste après. Top. Un tout petit peu. Micro-bout sur ta gauche. Oui! Clique! Non, putain, j'ai cru que j'avais fait une boulette et que j'avais pris un papier peint qui était. En fait, c'était. J'ai cru que c'était Je un comprends rien à ce ceci. que tu Alors. dis. Ok. Donc là, tu vas bouger ta souris pour la mettre dans la pièce. Dans la pièce? Ouais, parce que là, Ah oui, ok. t'es en train de désigner. Pars sur. Non! Ah Je vois plus la raison! Repars en arrière, rebouge ta souris comme si. Fin... Tu vois, genre, repars en arrière. Encore, encore, un tout petit peu. Stop! Alors maintenant, bouge un petit peu sur ta gauche. Tu veux que j'aille vers la gauche? Là, c'est bon! Et là, tu fais shift. Oui! C'est bon! Oui! On va maintenant passer au papier peint extérieur! Vas-y, gauche, gauche, gauche. On va beaucoup à gauche, hein? Oui, on est des gens qui vont à gauche. On est des gens qui vont à gauche. Encore sur ta gauche. Ok. Encore. Stop! Ah! Reviens un tout petit peu en arrière. En arrière ou sur la droite? Sur la droite. Ok. Et là, tu montes un tout petit Eh, peu. faut être précis quand on parle, parce que là, ça... quand t'as Clic. les yeux bandés, plus rien n'a de sens. Gauche. Encore. Stop! C'est bon, c'est bon. Yes! Là, c'est. Oh, yeah! Attends, remonte. Je suis partie, non? Ouais, c'est ça. Non, là, non! Non, tu pars! Attends. C'est le bordel! Attends, je vais où là? Alors, enfin, va un peu vers la droite parce que le problème, c'est que je vois plus trop bien La la maison. droite. Ah non, là, pardon, mon autre droite. Encore. Stop! Non! Non! T'as la souris, elle a bougé! Je vois plus la maison! Ah merde. Mais attends, fais-moi choisir l'objet, après j'y reviens. Ah ouais, c'est ça. Alors, descends un petit peu ta souris. Stop, remonte un petit peu du coup. Là, vas-y, stop. Et là, un petit peu sur ta gauche. Encore. Voilà, clique, c'est bien. On est bien. Alors maintenant, tu vas un peu partir vers ta droite. Stop. T'es parti beaucoup trop. Va sur ta gauche. Stop, stop, stop. Lève. Ouais, un tout petit Je peu clique n'importe vers. où. C'est pas grave. Clique un petit peu vers ta droite. Stop. Ouais, clique dessus. Boum! C'est bon, on est dans la pièce que je voulais. Ok. Pouf, je sais pas pourquoi j'ai mis des tapis, je suis conne. Alors, tu vas descendre un tout petit peu. Encore. Encore. Oui, clique. Et là, on va choisir l'objet principal de cette chambre, qui est vachement loin, évidemment. Ouais. C'est une cuisinière, l'objet principal? Non, c'est un lit. Non mais oui.
T'imagines? Moi, j'ai voulu représenter la chambre avec une gazinière. C'est tout un art. Et là, on va choisir ma couleur. Mais parce que je voulais faire vraiment une chambre à thème, et c'est pour ça qu'elle est hideuse. Encore un petit peu sur la gauche. Oh, il faut que je rajoute sur ma liste de courses d'acheter des Chris Prolls, c'est trop bon. Attends, t'es en train de penser à ça là? Enfin, on est en train de faire le défi de la muerte, et toi, tout ce que tu penses, c'est bouffer! Mais c'est pas vrai! La meuf, elle pense à sa liste de courses! Oh, tu me fatigues. Alors, repars un petit peu devant, enfin, vers toi, le lit. Voilà. Tu le bouges d'un petit peu vers la gauche. Encore. Je sais pas. Mais t'as pas la bouge pièce? encore? T'as pas la pièce sous tes yeux? Bah si, mais tu l'as tournée dans le sens chelou, du coup je sais pas réellement si c'est au milieu comme je prévu. Est-ce qu'il y a la grille? Est-ce que j'ai activé la grille? Ouais, t'as la grille. Ok. Donc il va falloir que tu le mettes un peu loin de toi. C'est genre tu l'éloignes, enfin je sais pas trop. Oui, comme ça. Ah non, tu l'as mis beaucoup beaucoup trop loin. Ramène-le. Stop. Clique. Oh my god, on a réussi. Ah, c'est Ça tout? doit faire 20 minutes qu'on est sur le truc. T'as mis qu'un lit et la pièce avec des fenêtres. Encore. Et là. Non! La maison! Elle part! Tu sais, elle me fait coucou! Et là, tu l'éloignes de toi. Putain. Alors, attends, ramène-le. Ramène-le vers toi. Ouais, là tu l'amènes vers ta un tout petit peu vers ta gauche. Tu veux pas que je zoome? Non, non, là t'as assez zoomé, là, je pense. Un tout petit peu vers ta gauche. Encore. Là, éloigne-le. Stop. Non, ramène-le. Stop. Putain, meuf, t'as galéré pour mettre une table de chevet. Il y en a une deuxième, j'espère. Il faut qu'on mette la même de l'autre côté. Ok, ça va. Donc, du coup, j'ai mis celle de droite ou de gauche? T'as mis celle de gauche. Quoi? Je pensais que c'était celle de droite. J'étais persuadée. Ok. Non, du tout. Un, deux. C'est bon, là, j'y suis? Non, encore. Oh merde. Encore. Vas-y, mais je crois que t'as enlevé ton objet. Enfin, ta souris, elle donne sur rien, là. Ah. Donc, il faut voir qu'on reprenne l'objet. Attends, mais je suis con, j'aurais dû. Dis-moi quand je suis dessus, sur l'objet. Non, t'es pas dessus. Encore sur ta. Ouais. Là, éloigne-toi, enfin, va un petit peu loin. Bon, éloigne ta souris de toi-même. Oui, t'es dessus. Ouais. C'est bon? C'est bon. Stop! Ah. Et là, tu l'éloignes. Enfin, ouais. Non! Ramène-le. Encore. Stop! C'est bon. Je clique? Oui, tu cliques. J'ai l'impression d'être épuisée moralement, tu sais. On a juste mis un lit et deux tables de chevet. Là! Allez, c'est bon, je sais pas ce que t'as fait, mais c'est la bonne Bah, couleur. c'était le plus, alors ça Alléluia. veut dire que c'était. Là, il va falloir que tu tournes cet objet. Ah, alors attends, je vais chercher ma virgule. Non, pas ça. Oui! Oh putain! Eh! Encore. On sent que je passe du temps avec mon ordinateur, hein. Stop. C'est bon. Et ramène-la un petit peu vers la droite, ton objet. Non, attends, soulève un petit peu. Enfin, lève un peu ta souris. Ouais, et là, là, mets-la dro à droite. Ton autre droite. Ah oui, merde, c'est vrai que ta droite, c'est là-bas. Et là, ramène-le vers toi. Ouais, encore. Attends, stop. Je crois que t'es bon parce que t'as trop zoomé. Remène-le vers un tout petit peu vers la droite. Encore sur ta droite. Non, ton autre droit. Ta gauche. Putain. Stop, clic. Je crois que c'est bon. Clic, ouais. Et là, c'est. Merde, je vois pas ton objet. Qu'est-ce que c'est que ce beans? On nous ment. Mais clic. Attends, remonte. À droite. Clic. Vas-y. C'est bon. Et là. Non. Je crois que c'est lui. D'accord. Vas-y, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Et là, il va falloir que tu bouges vers ta gauche. Encore. 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 Encore, encore. Stop. Et là, il faut que tu le tournes. Stop, clic.
Tu sais quoi? On en reste là parce que c'est beaucoup Je peux trop enlever? long. Tu peux l'enlever. Incroyable! Je l'avais nommée la chambre de youtubeuse beauté. Oh! Eh Tout en rose et ben, blanc. j'imaginais tellement pas ça! Je pensais que t'allais faire un truc, genre vraiment avec en mode bohème et tout, tu sais. Putain. Non, je suis partie en mode chambre de princesse où t'as l'impression qu'aucun homme n'a jamais vécu. Ah merde, je t'ai pas fait bien placer la coiffeuse. Parce que tu te Ah. rends pas compte, mais genre la caméra, c'était la merde pour. Elle était gênée au bon endroit, au bon truc, c'était. Bout du bout. Oh Tu veux que putain. je te montre ce que t'aurais dû faire? Mais du coup, elle Oh, ressemble à ça. t'avais mis des pétales de rose. Mais oui, c'est pour ça, c'est ça le tapis que je voulais, tu sais. Je voulais le cliché. J'avais mis des tableaux et tout, j'avais fait ça bien. Hey, mais tu t'es compliqué la vie. Je suis sûre que le mien, on peut le faire en 15 minutes. Waouh. C'était dur. C'était C'était méga dur. super dur. Ok, du coup, c'est sur ce qu'on termine la vidéo. J'espère que le challenge vous a plu, que vous avez bien rigolé comme nous et bien sué comme Niska. Et moi, j'ai sué aussi, mais c'était différent, je pense. Du coup, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou même vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Rendez-vous sur la chaîne de Niska, bien évidemment, pour la deuxième vidéo. Et du coup, on se retrouve très vite.